Martin Bormann voit le jour dans la petite ville d'Halberstadt au début du siècle. Nous sommes le 17 juin 1900. Sa mère, Antonia Bormann, fervente luthérienne, lui donne le nom du fondateur de son église, Martin. Ironie du sort, le petit garçon ainsi baptisé en l'honneur de Martin Luther méprisera la religion en grandissant et sera même l'instigateur de lois visant à persécuter l'Église. Martin a un frère,